Les copains, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. On se retrouve dans la vidéo pour laquelle je suis, bah écoutez, la plus fière. À chaque fois, je dis ça, mais à chaque fois, c'est la vérité. Je vous jure, c'est impressionnant. On se retrouve pour la vidéo des 8500 abonnés. C'est-à-dire que nous sommes actuellement 8500 sur la chaîne. Je ne suis que joie. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. Oh, franchement, mon cœur est en fête. J'ai pas d'autres mots à part merci. Et du coup, bah, pour vous récompenser, je vous ai préparé un super challenge. On va faire un 165 € challenge. Donc pourquoi 165? Parce que j'ai essayé d'équilibrer le nombre de jeux à gratter. J'ai pris les plus gros jeux à gratter. Je voulais prendre un carnet. Et il n'y en avait plus au tabac. Donc j'étais au bout de ma vie. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, bah, j'ai pris 150, 165, je crois, 165 € de jeux à gratter. Donc c'est parti. Je vous montre tout ce qu'on a. C'est parti. Let's go. Donc on va gratter tout simplement. Hop, vu que ça s'est un petit peu emmêlé dans mon trépied, 4 jeux à 10 de chaque. Donc on va gratter 4 bingos qui sont là. Ensuite, nous allons gratter 4 millionnaires. Et hop, ils sont là. Et ensuite, on va gratter 4 mots croisés à 10. Ils sont là aussi. Et ensuite, on va gratter 3 missions patrimoine qui sont là. J'espère qu'on fera péter les gains. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire. J'espère que vous allez aimer regarder cette vidéo. J'espère que tout va vous faire plaisir. J'espère que vous êtes content du contenu que je fais. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Je suis de partout, je les lis tout le temps. Et on va commencer avec les millionnaires les plus simples à gratter, si je puis dire. Et let's go! Premier, les millionnaires, donc il faut qu'on ait bien entendu deux symboles identiques d'un même petit quartier de couleur. C'est parti, let's go. Et on commence, on a un arc-en-ciel, un fer à cheval et des pièces. On continue avec une montre, un cadeau et un parasol. Ici, on a un coffre, une coccinelle, pardon, et un lingot. Ici, on a un scarabée, un bateau et une bague. Ok. Là, nous avons un as, un chaudron d'or et des lunettes. Et dernier petit quartier, nous avons un rubis, un porte-monnaie et des billets. C'est malheureusement perdant, c'est pas grave. Bah écoutez, on commence bien cette session. Bon, j'espère qu'on fera quand même des gains, qu'on ne fera pas de famille. Et let's go, on continue avec le deuxième millionnaire, c'est parti. On a un scarabée ici, une perle, une étoile. Ici, on a une coupe, un bateau et un as. À côté, on a un cadeau, un euro et des doigts croisés. Ensuite, on a une clé, un papillon et un lingot. Et puis, à côté, on a un chapeau, une coccinelle et une tirelire. Et dernier petit quartier, on a une couronne, une montre et un dollar. C'est perdant en ce qui concerne le jeu 1. Mon Dieu! J'ai gratté que le jeu 1 du premier millionnaire, mais je pars en cacahuète, les copains. Je pars en cacahuète, mon Dieu. J'ai pas gratté le jeu 2, donc on va gratter les deux jeux. Non, mais ça ne va plus, moi. Ça ne va plus du tout. Il est 19 h, je suis un peu fatiguée. J'ai travaillé ce matin, je suis fatiguée, voilà. Donc c'est pas grave, je suis debout depuis 5 heures. C'est pas grave. Tug life. On continue, le jeu 2, donc il faut qu'on ait deux sommes identiques parmi les petits lingots d'or. C'est parti, pour la remporter. Et on a 50 euros, 10 euros, le million, 100 euros, 100 000, 150, 1 000 et 10 000. Bon, c'est perdant. On enchaîne avec le jeu 3. Il faut que le diamant soit plus lourd que le saphir. C'est parti. On a 21 à 26, 9 à 11, 5 à 6. Ok, c'est perdant. Et le jeu 4, il nous faut le symbole euro. Et on a un chaudron d'or, un lingot, des pièces, des billets, une bague et un parasol. C'est perdant. Bon, voilà. J'ai rattrapé mon erreur. J'ai fait n'importe quoi. Je vous jure, j'ai fait n'importe quoi. Alors, celle-là, c'est la meilleure de l'année. Hein. C'est la meilleure de l'année. Et du coup, bah, on reprend avec le deuxième millionnaire. C'est parti. Il faut qu'on ait deux sommes identiques pour la remporter. Et on a 150 à 100, le million, 1000 euros, 100 000, 10 euros, 20 euros,
et 10 000. Donc c'est officiellement perdant. Et on continue avec le jeu 3. C'est parti. Nous avons 10 à 11, 21 à 26, 29 à 30. C'est perdant. Et le jeu 4, le symbole euro, on a des pièces, une perle, un bateau, un arc-en-ciel, un lingot, un soleil, c'est la catastrophe. Deuxième millionnaire, deuxième perdant. Voilà, on enchaîne avec le troisième millionnaire. C'est parti, let's go. Et les hop, premier quartier, nous avons une coupe, un chapeau et un dé. Ok. Ici, on a une coccinelle, un coffre, une montre. Ici, on a un diamant, un parasol, des lunettes. Ici, on a des doigts croisés, un as et un trèfle. Ok, rien malheureusement de gagnant. On continue, on a ici des billets, une tirelire, un porte-monnaie. Et en bas, on a un cadeau, un avion et un smiley. C'est perdant, c'est pas grave. Et on enchaîne avec le jeu 2, c'est parti. Donc, premier petit lingot, on a 50 euros, 10 000 euros. 100 euros, 10 euros. 20 euros, le million. 150 et 1000, c'est perdant. Bon, c'est pas grave. On continue, on persévère et on a 14 à 19, 16 à 22, 9 à 10. Tout va bien. Dernier jeu, c'est parti. Le symbole euro. On a une tirelire, des pièces, des billets, un avion, un as et un lingot d'or. C'est perdant, malheureusement. Et on continue avec le dernier millionnaire. J'espère que ce sera le bon. C'est parti. Allez, premier petit quartier. On commence avec un lingot d'or, un coffre et une bague. C'est parti. Ici, on a des billets, un porte-monnaie, un palmier. Ensuite, on a un dollar, un smiley et une corne d'abondance. Ici, on a une étoile filante, une cheerleader, une couronne. Ensuite, on a un chaudron d'or, une montre et un trèfle. C'est une blague, 4 sur 4 perdants. Non, c'est pas possible. On continue avec une perle, un euro, un chapeau. Ok, on continue, jeu 2. Et on a 100 000, 100 euros, 20 euros, 1000, 10 000, 10, c'est pas possible, 50 et 150, c'est possible. On continue avec le jeu 3. Nous avons 10 à 16, 18 à 19, 12 à 15. Et oui, c'est possible. Jeu 4, c'est parti. Symbole euro, on a un rubis, un chaudron d'or, un trèfle, un fer à cheval, un cadeau et un chapeau. 4 sur 4 les copains, 4 perdants sur 4, voilà. C'est fait, c'est dit. On enchaîne avec les bingos. J'espère qu'on fera pas 4 sur 4 non plus. Hein, j'espère qu'on aura un petit gain quand même dans cette vidéo. Et même mon bébé, elle me regarde, elle me dit « Oui, oui, j'espère aussi qu'il y aura un petit gain dans la vidéo. » Voilà, donc on commence avec le bingo, c'est parti. Premier numéro gagnant, c'est le 73 que l'on a ici. Là, là et là. Ok, on continue avec le 44. Ici, 2 sur la ligne, c'est cool. Et là, il est tout seul. On continue avec le 26, donc numéro jaune. Et c'est tout. On continue avec le 68. Non, il est tout seul. Ok, on continue. Et on a le 36. Donc le 36, numéro jaune ici. Là, il est tout seul. Numéro jaune là, elle est tout seule. Ok, on continue. Et on a le 19. Donc le 19, on l'a ici. Là, la 2 sur la ligne, on adore. Et là aussi, c'est super cool. On continue avec un bébé, le 4. Donc là, 2 sur la ligne, c'est cool. Là aussi, là aussi. Et là, 3 sur la ligne, on adore. On continue et on a le 34. Donc le 34, ici, c'est un numéro jaune. Et là, il est tout seul. Très bien.
On continue, on enchaîne avec le 54. C'est parti. Donc là, c'est un numéro jaune. Ok, là, il est tout seul. La numéro jaune et c'est tout. Ok, on continue. Avec le 20. Donc le 20, hop, on l'a où? Ici tout seul, c'est tout. Ok, on enchaîne. Et on a le 50. Donc là, ça en fait 2 sur la ligne. Là, on ne l'a pas. La 3 sur la ligne, très positif. Là, pareil. Et la 2 sur la ligne. Ok, on adore. Et on enchaîne. On a le 9, un bébé. Donc le 9, on l'a où? On l'a juste ici, 2 sur la ligne. Très bien. Ok, on enchaîne. On continue. Et on a le 13. Donc le 13, ici, 3 sur la ligne. Très bien. Et c'est tout. On continue. Avec plus grand, le 53. Donc la numéro jaune, la 2 sur la ligne. La 3 sur la ligne, on adore. Et la numéro jaune, très bien. On continue. Avec un grand, le 63. Donc là, ça en fait 3 sur la ligne. Et c'est tout. Ok, on continue. Il nous reste 5 numéros. Et on a le 67. Donc la 4 sur la ligne, très positif. On adore. Là, pareil, 4 sur la ligne. La 2 sur la ligne, la 3 sur la ligne. Et la 2 sur la ligne, on adore. Allez, on y croit. Il nous reste 4 numéros à découvrir, les copains. Et c'est le plus grand, le 75, que l'on a juste ici. Ok, on continue. Avec le 33, donc le 33, ici, 4 sur la ligne, on adore. Et c'est tout. Ok, on continue. Et c'est le 58, donc là, 2 sur la ligne. La 4 sur la ligne, on adore. La 2 sur la ligne, allez, on y croit. Dernier numéro, dernière chance pour obtenir un petit gain. Et c'est le 69, donc je sais pas si on l'attendait, le 69. Donc là, il était tout seul, il sert à rien et il nous a servi à rien. Ok, c'est pas grave, on enchaîne avec le jeu 2, où il faut que les combinaisons soient parfaitement identiques pour remporter l'étoile gain. C'est parti. Et on a un diamant d'un côté et un diamant de l'autre. On continue, on y croit, avec des cerises d'un côté et une étoile de l'autre. C'est malheureusement perdant et l'étoile gain, il y avait 200 €. C'était trop beau. Bon, ok, il est perdant. On enchaîne avec le deuxième bingo de la session. Je place bien tout et c'est parti. Hein. Bah écoutez, let's go, on enchaîne. Allez, on prend le feutre à bingo et c'est parti. Premier numéro gagnant, nous avons le 61. On l'a ici. Ensuite, on l'a là, là, là et là. Très positif. On continue avec le 47. Donc le 47... On a ici 2 sur la ligne. Et c'est tout. On continue. Avec mon chiffre à moi, le 32, il est cadeau. C'est pour moi. Hop. Et il est où? Il est là. C'est un numéro jaune. Et c'est tout. Ok. Bon, bah c'est déjà pas mal. On continue avec le prochain. Qui est un bébé, le 15. Donc là. 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 Ok. On continue. Avec le 70, donc ici, il est tout seul, là aussi, là on l'a pas, là il est tout seul, et là aussi. Ok, on continue. Avec le 69, donc le 69, on l'a où? Ici, là, là, et là. Ok, on continue. Avec le 22, donc la numéro jaune et 2 sur la ligne, là pareil, là on l'a pas, là 2 sur la ligne, c'est cool. Et là, il est tout seul, on enchaîne, et on a un grand, le 58. Donc là, ça en fait 2 sur la ligne et c'est tout. Ok, on continue. Et on a le 35. Donc là, numéro jaune. Et là aussi. Très bien, on continue. Et on a moins 1, le 34. Donc là, il est numéro jaune. Et c'est tout. Ok, on continue, on y croit. Et on a le 55. Donc la 4 sur la ligne et numéro jaune, on adore. Et c'est tout. Ok, on continue. Et c'est un bébé, le 12. Donc là, hop, 2 sur la ligne. La 4 sur la ligne, on adore. La 3 sur la ligne, la 2 sur la ligne. Et là aussi, ok, on continue. Et c'est encore un bébé, c'est le 4. Donc là, 2 sur la ligne. Et là aussi, ok, on continue. On enchaîne et on a encore un bébé, le 7. Donc là, 2 sur la ligne et là aussi. Très bien, on continue, on y croit, on va faire péter les gains. Et c'est le 46, les copains. Donc là, ça en fait 3 sur la ligne, la 2, et c'est tout. On continue, il nous reste 5 numéros, et on a
Le 73, donc là 2 sur la ligne, là aussi et là aussi. Ok, on continue. Et on a le 53, donc là 2 sur la ligne et numéro jaune, la 3 sur la ligne et numéro jaune, la 4 sur la ligne et numéro jaune, on y croit. Et c'est tout, on continue. Il nous reste 3 numéros à découvrir. Et c'est le 5, donc là 4 sur la ligne, on adore. Et c'est tout, on en a nulle part ailleurs. Ok, allez, on y croit, on attend 2 partout. Et il nous reste le 18, donc là 3 sur la ligne, là aussi. Là il est tout seul et là aussi. Et dernier numéro, dernière chance pour ce jeu 1. C'est le 49, donc là ça en fait 2 sur la ligne. Et c'est tout. Bon, bah le jeu 1 de ce bingo est officiellement perdant, c'est la catastrophe les copains. On enchaîne avec le jeu 2, où il faut que les deux combinaisons soient identiques. C'est parti. Et on a un trèfle ici et un diamant là. C'est perdant, il y avait 20 euros dans l'étoile gain et c'est perdant. Voilà les copains, on enchaîne les catastrophes. Et écoutez, on passe au troisième bingo de cette petite session. Voilà, c'est parti, let's go. Et premier numéro gagnant, nous avons le 28. Donc là, il est numéro jaune. Et hop, c'est tout, ok. 73, donc voilà ici. Et c'est tout, on continue avec le 42, donc le 42 ici, hop, tout seul, ici 2 sur la ligne et numéro jaune, ici tout seul, aussi là et là aussi. On enchaîne avec le 65, donc là il est tout seul et c'est tout, ok, on continue. Et c'est le 40, donc là numéro jaune et c'est tout, on continue. Avec le 68, donc le 68, on l'a ici et là, on continue, ok, avec le 39, donc le 39 ici, numéro jaune, et là aussi 2 sur la ligne, numéro jaune. Ok, on continue avec le prochain qui est le 55, donc là 3 sur la ligne, on adore, la numéro jaune, là on l'a pas et là non plus, on continue, on y croit. Et c'est un bébé, le 4, donc là, 2 sur la ligne, là aussi, la 3 sur la ligne, on adore. Et on enchaîne avec le 71, donc le 71, on a ici 2 sur la ligne et c'est tout. Ok, on continue. Avec un bébé, le 3, donc là, hop, il est tout seul. Là aussi, là aussi, là aussi, on continue. Et on a le 54, donc le 54... On l'a où? On l'a ici, il est tout seul et c'est tout. On continue. Prochain numéro, c'est le 29. Donc là, ça en fait 2 sur la ligne. Là, il est tout seul. Là aussi, là 2 sur la ligne et là aussi. On continue. Avec le 56, donc là, numéro jaune, là aussi. Là on l'a pas, là non plus. Et la numéro jaune aussi, on adore. Et 2 sur la ligne, ok, on continue. Il nous reste 6 numéros. Et c'est le 16. Donc là ça fait 2 sur la ligne, là aussi. Et c'est tout, on continue. Avec le 51. Donc le 51, on l'a où? On l'a ici tout seul et c'est tout, pas top. On continue. Avec le 47. Là, il est tout seul, là 3 sur la ligne, ici 3 sur la ligne et ici 2 sur la ligne. On continue, on y croit. Et on a le 41. Donc le 41, ici numéro jaune et 3 sur la ligne et ici numéro jaune et 2 sur la ligne. Ok, il nous reste 2 numéros pour un potentiel gain. Et c'est le 31, donc là 4 sur la ligne, on adore et c'est tout, on y croit. Et c'est le 30, donc c'est la cata. Donc là, 2 sur la ligne, là aussi. Et c'est tout. Le jeu 1 de ce bingo est officiellement perdant. On passe au jeu 2, c'est parti. Et on a un fer à cheval et un soleil. Les... C'est pas possible. Il y avait 200 euros. Non, c'est pas possible. On est à 7 tickets perdants sur 7. Nous sommes au 8e ticket à 10 de la session. C'est la catastrophe. On est au 8e ticket et on est à 7 perdants sur 7. Et on commence avec le 5. C'est parti. Donc là. Là. Et c'est tout. On continue. Et c'est le 22. Donc le 22 ici. Là. Numéro jaune. Là aussi. Et là, on l'a pas.
Ok, on continue. Avec le 21. Donc là, hop, on l'a. Et c'est tout. On continue. Avec le 23, on reste dans la même colonne. Donc là, et c'est tout. Ok. On continue. Avec le 53, donc là, 2 sur la ligne et numéro jaune. Et c'est tout. Ok. On continue. Avec le 41, donc là, ici, la numéro jaune et c'est tout. Okay. On continue. Avec un bébé, le 2, donc il est tout seul là. Et c'est tout. On continue. Avec le 73, 2 sur la ligne ici, là aussi. Là aussi, on continue, on y croit et on a le 62. Donc le 62 ici, 2 sur la ligne et c'est tout. On continue avec le 26. Donc le 26 ici, 2 sur la ligne et c'est tout. Ok, on continue. Et c'est le 30, encore la même colonne. Donc là, il est tout seul, là, 2 sur la ligne et là, il est tout seul. On continue. On y croit. Avec le 58. Donc le 58. Ici, 3 sur la ligne. Ok. Et on continue. Avec le 18. Donc là, ça en fait 2 sur la ligne. Là, il est tout seul. Là aussi. Là, 3 sur la ligne. Ok. On a tort. On continue. On y croit. Avec le 31. Donc là, il est tout seul. La 2 sur la ligne. La 4 sur la ligne. On adore. Et là, tout seul. On continue, il nous reste 6 numéros. On va y croire, les copains, on va y croire. Et c'est le 49. Donc là, 2 sur la ligne. Et c'est tout. Allez, prochain numéro, c'est le 57. Donc le 57, ici, ça en fait 3 sur la ligne. Et c'est tout. On enchaîne avec le 51. Donc là, hop, il est tout seul. Là, 2 sur la ligne, la numéro jaune. Et c'est tout. Tout, on l'a ici aussi. Ok. Et on enchaîne. On a le 46. C'est gagnant. Oui. Une ligne. 20 euros. Alléluia. On a une ligne, les copains. C'est 20 balles. Alléluia. On n'est pas fanny dans la vidéo. Alléluia. 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 Il est sorti ce 46 qu'on attendait. Et on va y croire. On va tenter la deuxième ligne, les copains. J'espère qu'on va y arriver. Et c'est parti. Et c'est le 8. Donc là, hop, le 8, là, là, là. Donc si on a le 68, c'est 30 euros les copains. Et c'est le 72, rien à voir. Ok, donc là, et c'est tout. Ok, bon. Déjà, on a 20 balles, on a une ligne, c'est super cool. Donc on va tenter le jeu 2, on va tenter les 30 euros de plus pour essayer de faire le ticket à 50 euros. Pourquoi pas, écoutez, après tout, hein, voilà, ça nous ferait récupérer un petit peu si les combinaisons sont identiques, ma foi. On commence avec la cloche. Ouh là là, mon Dieu Seigneur. Et on a la cloche. On continue. À côté, on a des notes de musique. Et effectivement, oh mon Dieu, nous avons les notes de musique. Et ensuite, on a un fer à cheval. Est-ce qu'à côté, on a le fer à cheval? Et oui, les copains, nous avons le fer à cheval. Alléluia, c'est un ticket à 50 euros. Donc là, il y a 30 euros. Ouais, ils sont là. Et c'est officiellement un ticket à 50 euros. Alléluia. Au bout du huitième ticket, c'était le huitième ticket qui a payé. Donc ça fait quand même... Là, on a gratté pour 80 balles. On en a récupéré 50. Donc ça va. On n'est pas dans la catastrophe la plus absolue. On a eu un ticket à 50. Alléluia. Et on va continuer. On va enchaîner avec les mots croisés à 10. J'espère qu'ils feront mieux que les bingos et ils feront mieux surtout que les millionnaires. Voilà, donc c'est parti. On va commencer avec le jeu 2. On va gratter les mots gagnants. S'ils sont dans la grille du dessus, on remporte la somme associée. C'est parti. Et premier mot gagnant, c'est voix, tout simplement. Ok, on va chercher voix. J'espère qu'on l'a. Donc là. Non, on ne l'a pas. Ok, donc c'est perdant. Et deuxième mot. Bisque. Je l'ai vu, bisque. Ou j'ai rêvé. Regardez ça. Non, je crois que j'ai rêvé. Non, bisque, il est là. Je savais que je l'avais vu. Il est là, c'est gagnant. C'est gagnant. Nous avons la bisque de homard, la bisque de lobster.
Voilà, bisque. Et là, les copains, donc on a gagné. On va faire un petit suspense. On grattera la somme gagnante après. Donc on va tenter un gain au jeu 1. On va gratter les gagnantes. Si on a plusieurs mots, on gagne la somme associée. C'est parti. Et on a le C, le Q, le F, le S, le N, le R, le M, le L, le X, le G, le J, le P, le H, le V, le T, le D, le I, le Y, le A et le U. Très bien. Donc niveau voyelle, on n'a pas le E, comme d'habitude, l'éternel portrait disparu. Et on n'a pas le O. Donc tous les mots avec un E ou un O sont perdants. Et on va les barrer. C'est parti. Donc là, on a... Bon, il reste pas grand chose, il reste banc. Et on n'a pas le B, donc ça commence bien. Donc tuba c'est mort. Bisque, on l'a pas, on l'a oublié de le barrer, voilà. Et il reste par déduction tissu, donc TI 2SU que l'on a. Le jeu 1 est officiellement perdant. Donc à côté de bisque, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Et on enchaîne avec le jeu 3, c'est parti, on va gratter les lettres gagnantes, et si on fait un mot, on remporte la somme qui lui est associée, c'est parti. Allez, on va essayer d'avoir un maximum de consonnes pour faire un maximum de suspense. Donc là on a le N de wagon et le X, donc le N, Zéphyr, 6ème, produira, donc. Ok, on continue à côté, on a le R et le L, donc le L est là. Ici, on a le D. Donc, le D de produira. D'accord. Ah, putain, on est tombé sur une voyelle. Bon, c'est pas grave. Le Y, il est là. Ok. Donc là, normalement, il y a des voyelles. Donc, en théorie, là, il y a des consonnes. C'est le Z. Donc, le Z de Zéphyr. À côté, c'est le M de 6ème. D'accord. Donc là, normalement, il y a une consonne. Ouais, c'est le C de Chic, on adore. Ok. Et là, on a le W de wagon. Ok. Très bien. Donc là, on peut avoir des consonnes aussi. Ah, c'est que des voyelles. Donc le A de wagon. Donc est-ce que potentiellement, on peut avoir un mot gagnant ? Normalement non, on ne peut avoir aucun mot gagnant parce qu'il manque des consonnes dans tous les mots. Donc on va vérifier ça, le U. Donc là j'oublie un R. Il a un A. U A. Donc c'est mort. Et on a le I et le E. Donc I. I. Pour une fois que c'est pas trop les voyelles qui nous ont porté préjudice, donc I et E. Donc si on avait eu le S, ça aurait été un ticket à 200 balles. Et I et E, voilà. Donc c'est mort, ok, bon bah c'est pas grave. On va découvrir le gain de la bisque, c'est parti. Donc à côté de voix, il y avait 200 euros. J'espère qu'il y aura autre chose que 10 euros à côté de la bisque. Et c'est 10 euros. Pourquoi à chaque fois que je dis, j'espère que ce sera autre chose que 10, bam, c'est 10. Voilà, déçu, mais bon, c'est pas grave. On l'oublie, on enchaîne. Et deuxième mot croisé à 10, c'est parti. Le mot gagnant de la, du jeu 2, pardon, son. Panne. Alors, est-ce qu'on a une panne quelque part? On va chercher ça. Non, on n'a pas la panne. Et le deuxième mot. Aboyer. Bon, aboyer, je sais pas faire attention. On va vérifier ça. Non, on ne l'a pas aboyé, donc c'est perdant. Et il y avait 200 et 2000. On comprend bien pourquoi il n'y avait rien. Et on passe aux lettres gagnantes du jeu. Hein. C'est parti.
Et on a le I, le B, le O, le T, le L, le M, le H, le D, le V, le S, le X, le P, le G, le C, le Z, le F, le Q, le A, le N et le U. Très bien. Donc niveau voyelle, on a tout sauf le E. Comme d'habitude, l'éternel, porté disparu, ainsi que le Y. Donc c'est parti, on va barrer les mots avec le E ou le Y. Et on a... Ok, bon, le reste on va contrôler. C'est parti, on a phare. Donc F-A. Et on n'a pas le R, d'accord. Donc tous les mots qui ont un R sont perdants. Il ne reste que son, les copains, c'est la cata. S-O-N. Et c'est perdant ce qui concerne la première grille. On passe à la deuxième, c'est parti. Et on passe au jeu 2, au jeu 3, pardon. Et on commence ici avec un petit S. Donc le S, on l'a où? Pour plaisir. Et c'est tout. Ok, on continue ici. On a le T, donc de chiquet. Ok, nuptial, d'accord. C'est tout. On continue ici. On a un D, donc de bord. Et c'est tout. Ok. En dessous, on a le B de bord. D'accord. Ok. Ok, ok. On enchaîne ici. On a le C de ticket. Ok, c'est cool. Nuptial, plaisir, non, toujours rien. Ici, on a le P de plaisir et de nuptial. Ok. On continue, j'espère pas tomber sur une voyelle. Ah mince, et c'est le A. Donc, nuptial et plaisir. Okay. Donc ici, c'est une consonne, c'est le M de mur. Ok. D'accord. À côté, du coup, c'est le N de nuptial. Bon, voyez, plaisir. Non. Allez, j'espère avoir une consonne ici. Et c'est le L de nuptial. Plaisir. Ok. D'accord. On continue. Ici, on a le V. De voyer. D'accord. Ok, donc normalement là on a que des voyelles. Donc le seul mot à qui il manque que des voyelles c'est nuptial. Donc ce serait indiqué à 200 balles si on a le U et le I. C'est parti. Et forcément on a le O. Donc là il nous manquait le R. Ok. Ici, bah forcément on a le E. Donc le E de voyer. Et là le Y. Donc il nous manquait ici le Z. Et malheureusement, ben c'est perdant. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'avais oublié le S ici. Voilà. C'est pas grave. Ben écoutez, on peut pas gagner à tous les coups. Voilà. Donc on continue. On y croit avec le troisième mot croisé à 10. C'est parti. Il est l'aide gagnant. Le premier mot gagnant, pardon. C'est auto. Donc on va chercher le mot auto. C'est parti. Ok, c'est pas grave. On continue avec le deuxième mot qui est route. Autoroute. C'était rigolo. Hein. Ok, bref, c'est pas grave. On va contrôler ça. Non. Non, on n'a ni auto ni route. Il y avait comme gain 250 euros. C'est dommage. Et du coup, on va jouer au jeu 1. C'est parti. Les lettres gagnantes, on a le O, le S, le I, le G, le Y, le P, le N, le X, le M, le F, le B, le K, le T, le C, le H, le D, le R, le Q, le L et le V. Je ne suis que joie. Voilà, niveau voyelle, on les a toutes, sauf le E, sauf le A et sauf le U. Donc, A, E, U. On va tout barrer. C'est parti. Voilà. Donc ça va aller hyper vite. On va tout barrer. Hein. A, les A, les E et les U.
Voilà, il ne reste que ce qui est KI que l'on a. Ok, bon, c'est pas grave. Et on enchaîne avec le jeu 3. C'est parti. Et let's go. On a le N et le T. Donc le T ici, le N ici. Et le T, N ici. Ok. Ici, on a le P. Donc le P de S, pardon. Ici, on a le X. Ok, c'est tout. Donc à côté, on a le D. Donc de S, pardon. En dessous, on a le F de enflé. Ok, on continue. Et on a... Ah, je suis tombée sur une voyelle. Le E. Donc le EF, pardon, embellir, luxe, enflé. Donc si on a le L, les copains, ce serait 50 euros. Et on va le gratter ici pour voir. C'est le R. Donc le R. Alors on va y croire. Avec le M ici. Donc non, on attend le L. Allez, fais-nous le L, mon petit. C'est le Y. Ok. Allez, sors-nous les bons. Et c'est le A. Donc le A, ok. On continue. Avec le B. On continue. Avec le Q. Et du coup, bah, c'est mort. Par déduction, c'est mort. Et il nous restait le i. Donc là, là, c'est mort. Voilà, malheureusement, tant pis. Bah écoutez, c'est pas grave, c'est le jeu ma pauvre Lucette, comme on dit. Et bah écoutez, on enchaîne avec le dernier mot creusé à 10. Voilà, c'est parti. Allez, le premier mot gagnant, nous avons. Mot M-A-U-X, c'est parti, on va le chercher. On ne l'a pas, ok, bon, tant pis. On n'a pas mot. D'accord, c'est pas grave. Il y avait 200 euros. Et deuxième mot, reflux. Est-ce qu'on a reflux? Non, on n'a pas reflux et il y avait 10 euros avec reflux. Non. Malheureusement, il n'y était pas. Donc c'est pas grave. Écoutez, on continue avec les lettres gagnantes du jeu 1. Hein, c'est parti. Donc on a le I, le Z, le O, le N, le B, le D, le V, le X, le M, le C, le F, le S, le G, le L, le P, le Y, le J, le A, le H et le U. Très bien. Donc niveau voyelles, on les a toutes sauf le E. Donc on va barrer tous les mots qui comportent un E. C'est parti. Donc là, là. Là, là. Il y a du E de partout. Ok, bon bah le reste on va contrôler. C'est parti. On a galant ici. Donc G A L A N et où le T? Non. On n'a pas le T. Donc tous les mots avec le T sont perdants. Regardez-moi ça. Tout ce que je barre, c'est abusé. C'est abusé, je crois qu'on a tout barré sauf R. AI et on n'a pas le R. Il nous reste par déduction son. Donc S-O-N que l'on a. Et le jeu est officiellement perdu. Il nous reste le jeu 3, les copains. C'est parti. Let's go. Donc c'est parti. Première lettre, c'est le P. Donc de myope. Ok. Ici, on a le J de jubile. Et c'est tout.
Ok, on continue à côté. On a le M, demi-hop. Vocable des certes, non. Ok. Ici, c'est le B de vocable et de jubile. Très bien. À côté, on a le I. Ah, moi, je suis tombée sur une voyelle. Donc, le I de voix, de jubile, vocable des certes, non. Ici, on a le S de dessert. Prêton, voix, jubile, vocable, non. Ici, c'est encore une voyelle, c'est le Y de myope. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, on n'a que des consonnes. Et c'est le R de dessert. Ton, voix, myope, jubile, vocable, non. Ici, on a le C de vocable. Et c'est tout. On continue avec le N de ton. Jubile, vocable, dessert, non. Et on continue, dernière consonne. C'est le V de vocable et de voix. Donc là, clairement, si on check, on a juste une chance de gagner 50 euros si on a le O et le E. Sinon, malheureusement, le reste, c'est impossible parce qu'il y a des consonnes manquantes. Et le verdict, on vérifie. On a le U. Donc le U de jubile, c'est tout, d'accord. Allez, le O ou le E, c'est le E, les copains. Ok, il est là, il est sorti. Donc le E. Le E. Et dernière lettre. Donc si on a le O, les copains, c'est 50 euros. Et verdict, c'est le A. Voilà. Donc c'est perdant ce qui concerne le quatrième mot croisé à 10. Je ne suis que joie. Voilà. Et du coup, on enchaîne avec l'émission patrimoine. J'espère qu'ils vont nous rapporter quelque chose ceci. Parce que là, on est dans un challenge catastrophique, les copains. Voilà, donc j'espère, on est à 2 tickets gagnants sur 12, donc c'est la catastrophe. J'espère que sur 15 tickets, on aura quelque chose de meilleur. Et c'est parti, jeu 1 du Mission Patrimoine. Il nous faut 3 arches pour remporter la somme associée. Et nous avons des ruines, un drapeau, une première arche, un pont. Deuxième ligne, on a une deuxième arche, les copains. Une boussole, un parchemin, des arènes. Et il nous faut une troisième arche pour remporter le gain. Et on a un château, une tour, un écusson et un canon. C'est perdant, il y avait 30 euros. C'est pas grave, on va gratter les numéros gagnants du jeu 2 et on va essayer de faire en sorte de les avoir dans les monuments pour remporter la somme associée. Et on a le 17, le 10, le 13, 18 et 2. C'est parti. 6, 16, 5, 7, le 8, le petit 1, le 12 et dernier numéro, le 15, c'est la cata. Ok, bon bah c'est pas grave, on enchaîne avec le jeu 3. Si on voit 3 fois la même somme, on la remporte, c'est parti. Et on a 30 euros, 15 euros, 50 euros. Si on a 1500, 15 euros deux fois et 15 000, ok, dernière ligne. Le million, 150 et 150 000, c'est perdant, c'est pas grave. On enchaîne avec le jeu 4 où si on a un ou plusieurs symboles gagnants, on remporte la somme associée. Et on a la boussole, non. Une couronne, non plus. Une cloche, non. Un phare, non plus. On a un château. Une girouette, une église et des arènes. C'est malheureusement perdant, c'est pas grave. Et dernier jeu, il faut qu'on ait 5 symboles validés pour remporter la somme associée. Et c'est mort, on n'a pas de symboles validés. Et il y avait 150. Ok, bon, premier mission patrimoine. Perdant, c'est la cata les copains, la catastrophe. Et on enchaîne avec le deuxième, c'est parti. Allez, hop, jeu 1. Hop, voilà. Il nous faut 3 arches. Let's go pour que je mets bien, pour que vous puissiez bien y voir. C'est parti. Et on commence avec une arche, un phare, une tour et une deuxième arche, les copains. On croise les doigts. Il nous faut absolument la troisième arche. Et on a un château. Une troisième arche. C'est gagnant. On adore. On valide. Oh là 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 là. On a un gain, les copains. On a un gain. On a un gain.
Il y en a 30 euros. Bah écoutez, on adore, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On tente le jeu 2, c'est parti. Allez, on gratte les numéros gagnants. Il y a le 6, le 10, le 12, le 1 et le 8. Ok, c'est parti. 20. 13. Le 2. Le 18. Le 3. Le 4. Le 16. Et le 14. Rien d'identique, malheureusement. On continue avec le jeu 3. C'est parti. Et les sommes, nous avons 50, 1500, 15. 15 deux fois 150 000, 1500. Et on a 30, 150 et 15 000. Rien d'identique, malheureusement. On continue avec le jeu 4. C'est parti. Les symboles, on a la girouette, non. Le phare, non. La boussole, non plus. La couronne, on ne l'a pas. Le château, enfin l'église, pardon, non. Le château, c'était une prémonition, non plus. Les arènes et la cloche, non plus. Voilà, c'était logique, hein. Quand c'est le chica 30, en général, on n'a rien de plus. Et le dernier jeu, un symbole validé, 2, 3, 4 et le cinquième qui nous porte préjudice, il y avait 15 euros. Ok, bon bah c'est un mission patrimoine de gagnant, bah écoutez. C'est déjà ça, il nous reste le dernier mission patrimoine pour essayer de faire un petit gain, voire un bénéfice, voire quelque chose, voire n'importe quoi, par pitié, parce que là on est très perdant dans ce challenge, même si c'est la vidéo des 8500 abonnés, où je suis immensément reconnaissante. Mais bon, c'est parti. Allez, il nous faut 3 arches, et on a une tour, un château, une arche et un cadre. On a un phare, un vitrail, une deuxième arche, un livre. Allez, fais péter la troisième marche. On a des arènes, un pont, un écusson et des ruines. C'est perdant. Ok, c'est pas grave. On continue. Les numéros gagnants du jeu 2, nous avons le 9, le 3, le 1, le 11 et le 6. Ok, c'est parti. Le 2. Le 4. Le 16. Non. Le 1, c'est gagnant. Ah non. C'est le 17. Je suis nulle, quelle courgette je suis les copains. Ok, j'ai rien dit. Le 10. Le 15. Le 19. Et le 13. Bon, c'est perdant, je suis une courgette. Et on enchaîne avec le jeu 3, c'est parti. Et on a comme somme 30 euros, 15 000, 1500, 150, 150 000, 15 euros. 150 000, 1500 et 150 euros. Rien d'identique, malheureusement. Et on enchaîne avec le jeu 4. Let's go. Et on a un phare, une boussole, une église, une girouette, toujours les mêmes, des arènes, une couronne, une cloche. Et le château, c'est perdant, c'est pas grave. Et le jeu 5, let's go, on a... Ah bah c'est mort, on n'a pas les 5 symboles validés et il y avait 150 euros. Ok, bon bah c'est perdant en ce qui concerne le dernier mission patrimoine de la session. C'est une session catastrophe, c'est-à-dire que sur 15 tickets achetés, on a eu 3 tickets gagnants. Voilà. Donc c'est une honte, clairement, de n'avoir eu que 3 tickets gagnants sur 165 euros. On en a récupéré 90, donc 75 euros de perte. On s'est fait tuer, clairement, on s'est fait tuer. 75 euros de perte dans cette vidéo, je trouve ça énorme. Et du coup, bah, je vous montre quand même comment on a récupéré. Donc on a récupéré 10 euros au mot croisé à 10 grâce à la bisque juste là. On aura récupéré 50 euros, Dieu merci, au bingo. On aura eu une ligne ici et là, on aura eu les deux combinaisons identiques pour 30 euros de plus. Et au mission patrimoine, ici, on a eu les 3 arches. Donc les 3 arches, c'est 30 euros, pardon. Voilà, tout simplement. Du coup, bah, c'est déjà la fin de ce super challenge. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Faites comme vous voulez. Vous savez que cette chaîne est avant tout la vôtre. Moi, personnellement, je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur d'être 8500 sur la chaîne. On se retrouve pour les 9000. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Déjà gratté. Bisous les copains.